Bonjour les scrappeuses. Donc je vous retrouve avec la troisième partie de la vidéo de l'album. Donc cette partie-ci, donc comme indiqué, donc c'est la décoration de l'album et la fin, la découverte de l'album vraiment fini. Donc là, je vais faire déjà les relier les différentes pages entre elles avec du double face tout simplement. Donc comme ceci. Maintenant, je vais passer donc à mettre donc mes pages à l'intérieur de la couverture. Donc j'ai fait on va dire la reliure assez large, on va dire la tranche de l'album un peu large, parce que je pense à faire une décoration peut-être un peu épaisse à l'intérieur. Et je voulais pas qu'après je puisse pas fermer mon mini-album tout simplement. Donc je marque le centre de la bord. De la reliure, on va dire comme ça, ou de la tranche, pour voir exactement où je mets mon double scotch. Hein, donc j'ai fait une trace en haut et en bas, bien sûr, pour pouvoir coller tout ça. Tout ça. Donc voilà, après c'est un choix d'avoir fait une reliure large. On peut faire plus étroit, mais je sais que je vais mettre des décorations, parce que vous allez voir en bois, donc avec un peu d'épaisseur et peut-être un peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc, il y a juste, si vous voulez faire cet album-là, mais ne pas faire aussi large que moi, vous faites juste un carton, une tranche plus petite, hein, vous changez juste les mesures, tout ça. Voilà. Donc, je mets toujours avec du double face. Donc, je vais centrer tout ça et je colle, hop, le tout sur le carton. J'essaie de bien centrer le tout et que ce soit bien droit. Donc maintenant, on va passer à la décoration. Donc, comme indiqué tout à l'heure, j'ai choisi de mettre des décorations de bois, c'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est des décorations qui allaient avec la collection du papier. Donc j'ai choisi différents motifs, des petites choses. Je ne sais pas encore trop quelle photo je vais mettre dessus, donc j'ai mis un peu des choses simples que j'aime bien. Et je pense que bah, ensuite, quand je mettrai mes photos, je mettrai peut-être d'autres décorations, d'autres petites choses en plus que là, par contre, je ne vous montrerai pas en vidéo. Là, c'est juste un aperçu de l'album. Après, quand on rajoute des photos, chacun peut décorer, rajouter des choses. C'est vraiment juste pour vous donner une inspiration. Donc voilà. Donc là, j'ai terminé donc de mettre des décorations bois et j'ai choisi aussi de récupérer des chutes de mon papier uni pour mettre on va dire, des cadres pour mettre des photos par la suite, pour un peu, pas cacher, mais enlever un peu tous ces motifs-là. C'est une autre méthode pour décorer l'album, excusez-moi, pour décorer l'album. Donc j'ai fait plusieurs chutes pour un peu atténuer tous ces dessins. Je trouvais que ça pouvait être bien pour permettre de faire du journaling pour ceux qui veulent mettre du journaling
dans ces albums. Moi, c'est pas vraiment mon style. Moi, je pense que je mettrais peut-être une photo dessus ou pas. Je sais pas trop encore tout ça. Donc, c'était pour vous donner une autre idée. Donc, j'ai rajouté aussi un petit tag là qui est plus petit que les autres. Voilà, vous voyez un peu, c'est des petits cadres en plus pour décorer l'album. Donc, c'est juste une idée. Donc, voilà. Donc là, je vais vous passer à la présentation de tout l'album fini. Voilà, donc hop, je suis morte maintenant. Écoutez, j'avais encore une autre image. Voilà, donc la décoration de tout l'album, bah, pas fini, comme je vous avais pu le voir là. Je n'ai pas encore rajouté les photos, ça je le ferai, comme je vous l'ai déjà indiqué, je vais le faire après. Je ne sais pas encore les photos que je mets dedans, mais tout ça. Donc vous voyez donc la fermeture avec son aimant et du coup vraiment tout ce que ça peut donner. Donc, voyez donc là je vous remets tous les là où il y a tous les tags. Donc si vous faites cet album, n'hésitez pas, si vous filmez, si vous voulez me poster une photo, me mettre sur ma vous pouvez me voir se me suivre sur ma page Facebook, donc Alice Crap, sur Instagram Alice Crap exact aussi. Donc n'hésitez pas à me l'indiquer, ça me fera plaisir de voir comment vous avez pu interpréter cet album-là, si vous le faites. N'hésitez pas à me le mettre ou me mettre en commentaire lorsque vous l'aurez fait. Je sais bien que c'est pas tout de suite parce que ça prend du temps de faire un album. De me le mettre en dessous de la vidéo en commentaire, que j'aille voir votre vidéo ou une photo, ça me fera plaisir d'aller voir si vous avez interprété peut-être moi, voire peut-être ça va vous allez avoir des idées que je n'ai pas eues et du coup je vous les repiquerai peut-être aussi. Donc, voilà, c'est à moi, je pense que tout ce qui est YouTube et tout ce qui est page Facebook et tout, c'est pour partager, donc ça me fera vraiment plaisir d'aller voir. Donc là, comme ça, vous voyez donc l'album un peu fini, les pages. Comme ça, vous voyez à quelle page, à quel moment j'ai mis une pochette, quand j'ai fait une languette, quand j'ai fait l'accordéon. Vous voyez là, je ne sais pas l'accordéon, je sais pas trop quoi. Là, vraiment, vous voyez que j'ai vraiment des pochettes partout, tous les tags, tout, vraiment un mot. Je pense que c'est un album assez simple qui est quand même assez facile à réaliser. Voilà. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ça vous a plu, je vous remercie de me suivre sur mes pages. Je vous remercie mes nouvelles abonnées que j'ai vu arriver. Donc, je suis très très contente que cela vous plaise. Et donc, je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle vidéo qui, je ne sais pas exactement ce qui sera la prochaine. Il y en a deux de filmées. Donc, que ça a encore monté tout ça. Donc, je suis vraiment ravie de partager tout ça avec vous et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Et scrapez bien les scrapeuses. Bye bye!